Et bonsoir à tous, c'est Locan pour Locan.fr, un petit podcast, un nocturne qui change un petit peu de d'habitude pour vous expliquer pourquoi je ne suis pas trop sur le net en ce moment. La foule retient son souffle, tout le monde se demande pourquoi, ou j'exagère à peine un petit peu. Vous me voyez plus trop sur Twitter, sur Facebook, sur le blog, etc. Cette semaine, par exemple, il n'y a eu qu'un seul article sur le blog. Pourquoi ? Vous en doutez peut-être. Expérience, ça prend pas mal de temps. Il y a des petits projets à côté qui me concernent, qui concernent des potes, etc. Qui sont en cours. Et pour ces petits projets, pour des gros projets comme Expérience également, ça demande du temps. Il faut contacter les personnes, il faut prendre le temps de bien rédiger des mails, de faire des beaux dossiers. Il faut structurer proprement, typiquement pour Expérience, les trajets qu'on va faire, etc. Il faut planifier tous les budgets, démarcher les partenaires, aller voir ces partenaires et les convaincre. Voir avec différents partenaires qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, que ce soit du matériel, de l'argent, c'est facile, mais avoir un état des lieux très précis du matériel qu'il va nous falloir pour Expérience, pour la traversée des États-Unis donc. Et mine de rien, tout ça, ça prend du temps. Donc ça fait que y a mon taf de week-end et en semaine, la plupart du temps, je suis sur mon petit ordinateur, mais j'ai pas spécialement le temps de venir faire un saut sur Twitter ou sur Facebook, etc. C'est pour ça que la page Facebook locan.fr baisse un petit peu en activité. C'est pour ça que sur Twitter, c'est un peu vide aussi. De temps en temps, si j'ai une mise à jour ou quoi, je vous le retweet parce que ça me prend 2 secondes. Mais en réalité, j'ai pas. Je dédie plus de temps, enfin moins de temps, où avant je racontais réellement ma vie. Il y a pas mal de petits cons qui ont que ça à faire justement que de prendre statut par statut ce que dit Monsieur Sardari et de foutre le bordel derrière. Donc on va trier un peu plus vie privée, vie publique, si je puis dire. C'est pour ça que le Twitter Locan Sardari est assez inactif. Et globalement, c'était pour vous dire qu'il y aurait du retour bientôt. Il y a du test matériel qui va arriver. Il y a des petites boîtes nouvelles qui débarquent. Ceux qui sont sur Mac savent ce que c'est. La page matérielle est en train d'évoluer petit à petit puisque j'adapte ce que j'ai comme matos par rapport à Expérience qui est, la plupart des gens l'ont dit dans les commentaires des articles précédents, c'est chaque truc que tu fais c'est l'expérience d'une vie, etc. Moi je me propose de tout faire plus ou moins dans les 5 ans à venir. J'ai listé plein de trucs, il n'y a pas certains trucs qui seront faits, d'autres non. Tout ce qui est listé doit être fait, sera fait. Et donc ça passe quand même en priorité là où par exemple typiquement mon MacBook Pro 15 pouces était parfait pour une vie nomade avec un petit peu de puissance et pour pouvoir monter des vidéos de partout. Mais là on adapte un peu plus, on fait des concessions, y a du matos qui dégage, d'autres qui revient, etc. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout revient rapidement, il y a du matos à tester, il y a des concours très sympas qui vont arriver avec plein de petits trucs à gagner, etc. Il y aura des tests logiciels matériels avec des petits trucs encore une fois très sympas à gagner. Vous inquiétez pas, le blog est toujours là, mais il y a des priorités si je puis dire. C'était Locan pour Locan.fr, passez une bonne soirée à vous. Ici il fait déjà nuit, on est avec un éclairage à la con. Ciao ciao. Locan, tu y es ? Ouais, c'est bon, ça tourne, vas-y.